Jean-Baptiste. Alors, du mal à croire, mais c'est vrai. Problème, mais... Il va y avoir un blanc en fait, est-ce que je sais pas quoi dire. Donc je vais répondre. Ouais. Enfin, c'est un fait. Disons qu'il a des origines un peu belges. Et donc voilà, c'est l'humour belge. Après, c'est vrai que c'est pas forcément compris par tout le monde, mais non, c'est le plus rigolo. Non, alors attends. Juste un truc, parce que lui il est de Sicile, il a toute sa famille en Sicile. Donc on l'appelle Damien Costanzo le Sicilien. Et comme ça l'embêtait, il était obligé de m'appeler le Belge, voilà, pour me faire un peu virer. Je pense que c'est Damien. Ouais, je suis pas sûr quand même, bon, allez, on va dire. Flandos. Allez, fierté. Ouais. Damien. Flandos aussi avec fierté. Ouais, JB il dort pas trop la nuit, il dort sauf le jour. Mais depuis qu'il travaille, il a découvert le monde du travail. Du coup, il redort la nuit. Ouais. Non, mais après, voilà. C'est juste que moi j'ai mon petit qui se lève à 7h, donc moi je commence les journées très tôt et il y a peu de temps qu'il fait ses nuits. Donc c'est pour ça qu'avant je dormais un peu l'après-midi pour me reposer. Oh, je pense que Damien tient ça de ses origines siciliennes. Et on le sent chaud et je pense que. Ouais, d'accord. Il aime bien aller. Ok. Jean-Baptiste. Son surnom aussi, mis à part le belge, ouais. C'est l'animal. Donc voilà, voilà. C'est Jean-Baptiste. Down the road I go. Bah, disons qu'on a une conception de l'argent un peu particulière, on va dire, et on s'entend très bien par rapport à ce qu'on voit, donc je pense pas qu'il y ait de véritable rabbin. Ouais, et puis nos femmes comprennent pas forcément notre voilà. Façon de voir la vie donc, et d'utiliser notre argent. Voilà, on va s'arrêter là. Je crois qu'on est long un peu plus de... Ouais, on finit souvent dernier. Bon, ouais, pareil. Alors Jean-Baptiste, bon, je pense que tout le monde va le découvrir, puis la plupart de l'équipe le connaissent un petit peu, il a une très belle voix, donc il a un certain vibrato, j'espère qu'il va pouvoir nous le montrer maintenant d'ailleurs. Il chante hyper bien quoi, vraiment, c'est... Et puis même sa femme, que je connais un petit peu maintenant, elle a un peu marre d'ailleurs, donc bon. Mais j'aimerais bien que tu me en fasses profiter d'ailleurs. Non, c'est pas vraiment sympa. J'aime beaucoup chanter, alors je sais pas chanter. Et bon, ma femme est souvent là pour me rappeler. Bon, Damien me laisse m'exercer un peu dans mes vibratos. Et sa femme aussi me le répète assez régulièrement que. J'ai pas une voix de chanteur, je ne sais pas du tout chanter. Un peu étourdi, un peu. J'oublie un peu les choses. Attends, je sais pas du tout. En fait, il aurait parti que ça en fait. Bah. Ah bon, le Sicilien, ça, il est connu de. Non, mais en fait, le truc, c'est lui plutôt botch et moi je suis plutôt butch. Voilà. Ouais. Ouais, un match en tournée en Espagne. Ouais. La frontière. Ouais, la frontière. Ça du côté de Figueras. Ouais. Une histoire, bon, anecdotique. Pas trop racontée quand même. Voilà, ça s'est passé, on avait des crampons, on est tombé sur des femmes consentantes, bon, c'était une sale histoire. Ouais, sale histoire. Sale histoire. Goodbye, baby. Yes. On entame notre quatrième saison. 3 ans avec Périgueux et une année à la maison, où on s'est connus. D'un point de vue logistique, on va dire qu'on s'est bien entendu de suite. Vous serez une centre et moi serai miel et on arrive plus ou moins à se compléter quand on arrive à jouer ensemble. Donc ouais, c'est-à-dire kiff. Ouais, moi j'aime bien être avec Damien parce que après c'est pas forcément pareil avec tous les trois amis, mais bon après on a une complicité en dehors du terrain. Mais voilà, sur le terrain j'aime bien parce que on se complète assez facilement sur
sur les rideaux, les deuxième et troisième rideaux pour couvrir le terrain, donc on n'a pas forcément besoin de se le dire et on se complète à ce niveau-là. La saison va être difficile. Je pense que depuis qu'on est arrivé, je pense que ça va être assez compliqué et on aura besoin d'eux et de leur soutien et surtout de leur venue assez nombreuses tous les soirs de match. Il n'y en a pas beaucoup, donc on va rester mobilisé. Oui, exactement, c'est une saison compliquée. Je pense que les gens ont compris que c'était pas comme il y a 2 ans. On a fait un rugby champagne et tout nous réussissait. Là, on vient de tirer une dure descente. Donc voilà, c'est compliqué pour tout le monde. Et on a vraiment besoin que tout le monde reste mobilisé et vienne nous encourager. C'est pas anodin, quoi. Ça nous fait vraiment du bien, quoi. Quand on voit que les étagères sont pleines dans le stade, c'est très important. Et nous, dans la vie de groupe, on le ressent, même dans les déplacements. C'est vraiment important, quoi, de se sentir soutenu.